Oh bah tiens, salut, c'est Metal Blaze. Okay, salut Corbistar, ça va? Bienvenue dans cet épisode 23. En train de tabasser le cultiste. Cultiste qu'on s'était dit qu'on n'affronterait pas forcément trop vite, mais au final, bah c'est un peu l'objectif principal qu'il nous reste à faire. Quoi. Voilà. J'ai déjà presque mort, on est en train de l'éclater. Très stylé, hein. Il est en tout cas très stylé. Ah, on aime beaucoup le monsieur, on aime beaucoup les messieurs avec le masque de la peste. Oh, attends, j'entends une petite musique. Est-ce que ça serait pas la merde? Attends mec, j'ai oublié de me souvenir d'un truc. Alors, bon, on a des piliers qui viennent d'apparaître maintenant qu'on a tué ce boss. Sauf que, attends, où est le pilier? Il est en train de prendre cher pour l'instant. J'ai noué fou à la place du pilier, mec! Et du coup, ouais, on a 4 piliers comme ça à casser. Là, pour le coup, c'est le vortex. C'est lequel le plus chiant? Le nébulaire, c'est le rose. En vrai, les 4 piliers, ils ont un thème en particulier. Le vortex, c'est que les armes à distance. Il y en a un autre, c'est un solaire, il est jaune, c'est que des armes au corps à corps. Je parlais là juste avant, le nébulaire, c'est le violet. Yes, on l'a cassé. Il reste plus que le astral, et le astral, c'est le bleu et jaune. Je tiens à préciser que j'aime beaucoup mon rôle de. Mon rôle d'invocateur, je suis posé dans la fontaine de miel et j'en prends le poil. Tu sais ce qui se passe après les piliers? La merde. L'apocalypse, mec. J'ai fait des arènes exprès. Comme par hasard, il spawn à côté. Ah, la musique. Ça veut dire qu'il est à côté. Moi, je suis là, je l'aime pas. En fait, je l'aime pas le nébulaire parce que c'est des suceurs de cerveau. Ils s'accrochent à vous et, comme leur nom indique, ils vous sucent le cerveau. C'est des putains de métroïdes. Ils sont... Oui, c'est ça. C'est des métroïdes. Tout à fait, mec. Bien joué. Ben, bonne ref. J'aime bien. Bien Metroid. C'est des aliens de Alien Isolation et des putains de Metroid de... Bah de Metroid. Attends, j'ai juste envie qu'on voie la waifu. Alors en fait, faut savoir que c'est un texture pack que j'avais déjà installé, mais je crois qu'il a été mis à jour. Avant, il ressemblait pas à ça. Tu sais que les gens, ils étaient tristes hein, de ne plus te voir dans l'épisode précédent. Hein. Pour ça. Je suis intemporel. Tu es intemporel. Oui, t'avais juste plus ta sauvegarde. YOLO! Est-ce qu'on se répartirait pas la tâche et que les deux derniers piliers, on se les fait chacun de notre côté? Je sais pas où ils sont. À droite de la maison. Je prends le pilier solaire, tu te démerdes. Tu prends le solaire? Ok, ça tombe bien parce que moi le solaire c'est mon préféré. Donc du coup il va faire mon préféré, mais c'est pas grave. Bouah, c'est rigolo. Et du coup moi je m'occupe du bleu, le astral. Y'a des machins partout! Ah bah c'est une invasion hein! Non mais là c'est la même merde, y'a des soleils qui me courent après, y'a des ah oui! Y'a des vers solaires, y'a. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais pas des centipèdes par hasard? C'est l'apocalypse mec. Il y a des serpents volants géants qui me balancent des boules de feu nucléaire, oui. Et il y a des mecs qui ont c'est des rhinocéros qui me filent des trucs. Les serpents géants, c'est les centipèdes. Ah oui, moi j'ai ça de mon côté. C'est des cellules. Et en fait, si je les extermine pas, elles se reproduisent. Elles se multiplient. Et il est sympa. Ah, moi aussi j'ai des serpents. Tu sais qu'à l'âge de 4 ans, j'ai vu des serpents et des singes lancer sur mon lit. Salut, c'est moi, Kirby. Viens jouer avec moi. Salut, c'est moi, Choupi. J'ai des copains Zerbi avec mes potes à l'école. On aime sniffer de la colle. Ils sont partout. Ils sont dans mes yeux. Au secours. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on voit la barre de... Tu sais, le nombre d'ennemis qui nous reste à tuer. Alors que, bah, il y a une époque, c'était pas le cas. T'as vu que mon épée, elle avait été modifiée? Ah ouais, oui, elle fait des vagues plus grosses encore. Elle fait des vagues, mais du coup, elle tire plus des épées, et du coup, elle est moins précise. Bah après, surtout, elle fait des vagues, mais qui vont moins loin. Aussi! Ah oui, elles traversent pas toute la map. Je m'en étais plein dans l'épisode précédent, mais bon, voilà, c'est bien aussi de... Voilà, c'est bien aussi de voir le point de vue de notre personne. Petit freeze. Oh... Par contre, là, quand je trouve le pilier, que mes Sharknado, elles se mettent à lui tourner autour. Ah bah là, il prend caquette, hein. Ah bah là, c'est pas la même, hein. Je l'ai mangé, l'auto. Je l'ai mangé. Oh, le Joe. Ah, je suis mort. Allez, c'est l'heure de tabasser le dernier pilier. Et on l'espère. Après, on déclenche l'apocalypse. Oui, parce que l'apocalypse, c'était pas maintenant, c'est après. Bah alors, t'en chies? Moi? En vrai, non. En vrai, ça va. Ah tiens, oh bah, l'apocalypse approche. Oh non, pas là, métal, c'est pas le bon endroit, c'est ici qu'on se soigne. Voilà, et on peut venir ici, je pense. J'ai appuyé sur la touche magique qui s'appelle B. B, grosso merdo, c'est tous les buffs d'un seul coup. Partout à courir. Hein. Pour en invoquer un supplémentaire. Allez, j'ai l'hydre de glace aussi. Allez, c'est parti. Ah, il m'aspire, au secours. Au secours, mon bébé est tout bleu. Ah, au secours. Ah, non, pas le laser. Mais ça marche bien quand je le mets là. Alors, pour l'instant, j'ai envie de te dire merci, mes tornades. C'est ça. Bon,
La main de gauche, c'est fait. Le laser. Bon, le laser, je l'ai mangé. Mais au laser en jade. Ok. La main de droite. La main de droite, on est bon. Y'a plus de fuel. Y'a plus de fuel. J'ai plus de fuel dans ma boule magique. Bon, soyons prudents. Allez, l'œil de... le troisième œil. Je me heal. Et il reste plus que le cœur. La fin du jeu est à quelques secondes maintenant. Ouais, j'aimerais bien un peu me soigner par contre, moi. C'est bien sympa tout ça. Ah, est-ce que je peux me soigner? Oui. Ouais, c'est bon, c'est fait. Allez, mange-toi ça, le seigneur de la lune de merde. Et voilà, c'est fait, c'est terminé. On a terminé le jeu. Incroyable. Ah, à moi. Il y a son corps qui tombe, enfin son cadavre. Ah oui, bah oui, on a les crédits. J'ai eu un truc qui me plaît bien. Ah, le portal gun. Excellent. Sachant que je me déporte de plus en plus vite, hein. Oui. Alors, faut savoir que le portal gun, c'est le vrai portal gun du jeu Portal, créé par Valve. Et en fait, quand tu as le portal gun dans la main, tu gardes l'inertie, contrairement à ton personnage de base. Tu vois, par exemple, là, je tombe. Tu vois, je ne vais pas plus ou moins vite. Par contre, si j'ai le portal gun dans les mains, je vais prendre de la vitesse. Ça, c'est un truc de fou. Et bien, sur ce, j'espère que vous aurez aimé la série avec Kirby Star. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était pas mal. Disons que mon rôle était un peu compliqué parce qu'invocateur, bah, t'as une armure en carton. Tu es littéralement en plâtre. Hein. C'est pas que c'est de la merde, mais tu ne te protèges contre rien. Mais sinon, voilà, le jeu est vraiment pas mal. Le jeu est vraiment pas mal, mais bon, à l'avenir, c'est pas la dernière fois qu'on va jouer à Terraria, mais c'est la. Pour le coup, c'est vraiment la fin de la saison. On fera ça plus rapidement. On évitera de tourner ça sur 3 ans. C'est la fin de cette série actuelle. Après, est-ce qu'on en fera pas une autre où on change de classe ou on fait autre chose? On verra bien. Bon, on va faire du modé, c'est certain. Bah, sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce dernier épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et n'hésitez pas à revenir du coup sur les précédents épisodes si vous les avez pas vus. Et avec Kirby Star, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!